Kinoü Ferrari, la veuve de Nino Ferré, est partie rejoindre son défunt mari le 17 mars 2022. Amomame vous donne plus de détails concernant son deuil survenu plus de 20 ans après celui du célèbre musicien. Né le 15 août 1934, Nino Ferré, Agostino Ferrari de son vrai nom, était l'une des plus grandes figures des années II. Il était surtout connu pour sa chanson « Degré Z, avait pas vu Mirza, plus ou moins ». Après avoir connu le succès grâce à ce tube, il en a sorti d'autres comme « Degré Gaston, plus ou moins » et « Degré les cornichons, plus ou moins ». En 1975, Nino Ferré cartonne une nouvelle fois en sortant « Le Sud ». Le titre a pris la tête des charts, permettant à son interprète d'accroître encore plus sa notoriété. Nino Ferré en 1968. Photo, Getty Images. L'épouse de Nino Ferré est décédée, que s'est-il passé? Après son deuil, survenu il y a plus de 23 ans, Nino Ferré a laissé derrière lui son épouse, Kinoü Ferrari. Mais récemment, une triste nouvelle concernant cette dernière a été révélée. Dans les colonnes du Monde, les proches de la veuve du chanteur ont annoncé la mort soudaine de celle-ci. Jusque, ici, les circonstances de son deuil restent inconnues. Kinoü Ferrari est décédée à elle, âge de 74 ans. Après les révélations de sa famille, la femme a rendu son dernier souffle le 17 mars 2022 à Toulouse. Une degré cérémonie de crémation, plus ou moins, aura notamment lieu le 24 mars 2022, à 11h dans la ville de Montauban, où les personnes qui ont côtoyé la défunte seront présentes. Nino Ferré et son épouse Jacqueline lors d'une cérémonie le 5 juin 1970, France. Photo, Getty Images. En S, en allant pour toujours, la veuve de Nino Ferré a laissé derrière elle ses deux enfants avec le chanteur. Nino Ferré et Kinoü Ferrari, zoom sur leur amour 50, histoire des amours entre Kinoü Ferrari, ni Jacqueline Monestier, et Nino Ferré remonte à plus des une décennie. Après S, être tombe amoureuse elle, un de elle, autre, les deux tourtereaux ont décidé de passer à la vitesse supérieure en se disant, degré oui, plus ou moins en 1978, à Saint-Cyprien. Plutôt, le couple S était installé dans cette commune avec leur premier fils, Pierre Ferrari, et y reste jusqu'à la disparition du chanteur. Kinoü ont également eu un autre fils appelé Arthur. Il a vu le jour en 1979. Le chanteur Nino Ferré, son épouse Kinoü Ferrari et leur premier fils. Oh, Getty Images. Sa vie après le deuil de son compagnon de son vivant, elle, interprète de la chanson « Degré le Sud », plus ou moins était comble au code de la femme de sa vie. Après son deuil en 1998, Kinoü Ferrari avait continué à faire vivre elle, Heritage Artistic, avait laissé son mari. 2013, par exemple, elle a répondu présente durant elle, ouverture des, une exposition dédiée à son époux, organisée par la médiathèque José Cabani, située à Toulouse. Et notamment pendant ce vernissage, on a pu découvrir des affiches, des costumes, des dessins, des instruments de musique et des autres objets qui ont marqué la carrière de Nino Ferré. Ferré et son épouse Jacqueline lors d'une cérémonie le 5 juin 1970, France. To, Getty Images. À part cela, Kinoü avait également exposé les tableaux du musicien, en 2018, à elle, occasion du 20e anniversaire de la mort de celui-ci.
concert mettant en l'honneur du chanteur a également été organisé le 13 août de la même année. Par ailleurs, la veuve de Nino Ferré avait également publié un livre sur sa passion avant son décès. Degré Kino et Cuisine, plus ou moins est sorti en 2015 et dedans, la défunte femme avait partagé quelques recettes qu'elle avait créées ou empruntées à ses proches. Le chanteur Nino Ferré pose lors d'une séance photo à Paris, France, le 3 mars 1988. Photo. Getty Images trouve sans vie dans un champ. Comment Nino Ferré est mort plus de 23 ans avant sa disparition, Kino et Ferrari avait dû faire face à une terrible tragédie. La perte de son époux. 13 août 1998, vers 12h30 et 13h, Nino Ferré est rendu à la Paillade en voiture. Une fois arrivé, il agarre l'automobile et a un peu profite de la vue, avant de se donner la mort. En effet, le musicien est tué dans le champ de blé, ce jour-là, en se tirant une balle un fusil de chasse dans le thorax. Le chanteur Nino Ferré pose lors d'une séance de portrait à Paris, France le 18 septembre 1994. Photo. Getty Images rapidement, les gendarmes ont pu retrouver le corps de interprète de Degré les Cornichons, plus ou moins et ont découvert que celui-ci avait déjà songé à se suicider quelques heures avant. Deux jours avant sa mort, Nino avait fait part à son épouse et à son médecin de son envie de se tuer. Notons que le musicien était également en état d'exaltation en raison des anxiolytiques qu'il prenait. Notamment demande à ce qu'on lui appelle, Degré Don Nino Ferré, plus ou moins durant un dîner anniversaire de Kino et Ferrari et à plonge complètement nu dans leur piscine. Le chanteur Nino Ferré. Photo. Getty Image en fait, la même année où il est décédé, homme avait perdu celle qui a mise au monde. Est jamais remis de cette perte et même tombe dans une profonde dépression. Le regret homme, Degré ne sortait plus, ne vivait plus, plus ou moins après ses proches. Arrive à son fils. De son vivant, Nino Ferré a pu devenir papa plus une fois. Il a, en effet, eu deux garçons, dont un sœur Ferrari. Souriant sur le plateau du référendum du soir. Photo. Getty Image aujourd'hui âge de 43 ans, le cadet du chanteur a suivi sa trace puisque tout comme son géniteur, le quadragénaire travaille dans univers de la chanson. Et pour bien perfectionner son personnage musical, Arthur est prêt à tout. Et dans le club parisien, Degré le Baron, plus ou moins situé dans le 8e arrondissement, que le fils de Nino Ferré se produit. Arthur a donc hérité du talent de son père et nul doute que le regret serait être fier de lui il avait encore été parmi nous. Le chanteur Nino Ferré lors de l'enregistrement de l'émission télévisée d'Yme Dandon, à Paris, France, le 19 janvier 1968. Photo. Getty Image la dernière interview de Nino Ferré avant sa mort quelques semaines avant qu'il ne se donne la mort, Nino Ferré avait accepté de se confier auprès de Paris Match sur de nombreux sujets. Avoir évoqué son parcours musical qui n'avait pas été facile, le défunt homme affirme se sentir comme un martien dans le monde de la musique française. Raison. Parce que Degré n'a pas eu un seul ami dans le show business, plus ou moins. Et je fais ma musique, point, plus ou moins disait-il. Portrait du chanteur et joueur de jazz franquet d'origine italienne Nino Ferré. Oh.
Getty Images. Ensuite, après avoir parlé de sa passion pour les femmes et son admiration envers elles, le musicien donne son avis au sujet de la réincarnation. S'il y a quelque chose à apprendre, c'est génial, vivement que cas arrive, parce que ce doit être fantastique. Et s'il n'y a rien, eh bien, tant pis. Pour l'honneur de la vie, plus ou moins confiait-il. Chanteur Nino Ferré en juin 1976 à Paris, France. Getty Images, des mots forts de la part du chanteur qui a mis fin à sa vie quelques jours plus tard. Lire aussi. Nino Ferré a mis fin à ses jours. Le 2 de sa mère et sa peur de vieillir. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.